quatre gamers passionnés. Emeric, Kevin, Thierry, Mehdi, filmés 24 heures sur 24 pendant toute une demi-journée. 4 caméras, 2 techniciens, 30 mètres carrés loi Carrez. À la fin de l'expérience, il n'en restera plus qu'un. Bonsoir à toutes et à tous, ça geek ou bien? Aujourd'hui, nos candidats, ils vont à fond les manettes, et c'est le cas de le dire, dans le Video Game Duplex, les clans se font, se défont et se refont. Kevin et Mehdi nous font le coup du je t'aime moi non plus, Emeric tente de s'intégrer, et Thierry, lui, s'apprête à livrer une véritable leçon de vie aux autres candidats. Le Versus 4 se déroule sur Bomberman, ouais, yes mec, jeu que notre rédac chef préféré semble maîtriser de main de maître. Le gagnant de ce Versus aura le privilège de choisir son adversaire à la prochaine épreuve, ouh, c'est stratégique tout ça. Danse de la chouffe, flamme infinie, brochette mexicaine et déception, c'est tout un programme et c'est tout de suite dans The Game, l'expérience, waouh. On raccroche mémé et on s'assoit. On dit souvent que tendre l'oreille, c'est tendre le cœur. Mais quand Mehdi et Kevin se confient, les révélations se mêlent à la partie comme un chien dans un jeu de billes. Non, mais de manière qui vivra verra. Hein. Oui, bah oui, oui, oui. C'est ça qui est en train de se passer, d'accord. Autant un peu les sensations, c'est bizarre. Il faudrait qu'il y ait un jeu de sous dans cette... Un jeu de sous particulier. Ah, pour poser les bombes, ok. Quoi, tu t'es pas au courant pour tirer les bombes? Je suis au courant, mais j'ai jamais vu la légende, en fait. Alors, on a tous nos spécialités à la rédaction dans les jeux, et Thierry, il en a une, j'en ai entendu parler depuis mes débuts à No Life. Il a une certaine technique dans un certain jeu. J'attends de voir s'il va la sortir. Et donc c'est le premier qui arrive à 5, hein, c'est ça? Exactement. Donc je suis le petit bonhomme bleu, toi t'es le blanc, Thierry, c'est ça? Oh putain, je commence bien. Mehdi rouge et Emeric. Je commence avec la chiasse, j'annonce. Quelqu'un peut me répondre quand je parle ou sinon... Ah, vraiment, ouais. Moi je suis le rouge, Kim. D'accord. Oh non! Donc le favori... Le favori s'est suicidé. Ah, mais genre, t'en avais vraiment marre de cette merde. Non, j'ai... Mais oui, Emeric. Non, mais bien sûr, Emeric. Non, Nine. Non, ça m'énerve. Kevin. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Mais vous avez les pouvoirs et tout. Oh, merde. Non. Vous avez les pouvoirs et tout, moi, j'ai rien du tout. On a tous les pouvoirs. Ah, tu veux dire à la star de son coin? Non! J'ai rien fait, tu me laisses pas le plaisir de te tuer. Arrête Thierry, là. Les gens sont déjà énervés. Je t'ai tué deux fois, n'y vois aucune haine. Oh, dommage! Oh merde, putain. Oh, c'est bon, ça. J'envisage. Oh, ça existe, ça? Ah ouais, mais alors Thierry connaît les techniques. Non, attends, j'ai juste envoyé une bombe de l'autre côté. Tu connais les techniques, hein, quand tu même. Tu connais les techniques, Thierry. Laissez-moi tranquille. Mais non. C'est-à-dire que je me tue moi-même, je me respecte pas. Je suis vraiment dans un délire football qui me plaît bien, là. Tac, tac, bim. Entre tuer, vous faites pas plaisir. Mais donc, il y a forcément quelqu'un qui va mourir au bout d'un moment. Je pensais avoir le temps. Mais t'avais carrément pas le temps. J'avais même pas le temps de la pousser. Mais oui, enfin. Tu te rends pas compte? Mais t'es fou. Crois fucking pas. Tu les voulais, les bonus? Oui, c'est mais non Non. J'ai rien fait. C'est mon patin, ça. T'es super stressé, Emeric. Je peux rien faire, moi. Il est lent. Bah, oui, vas-y. Non. Vas-y, Kevin. Il t'a refilé sa maladie. Ah bah ouais. Faut pas me toucher, quoi. Mais je sais pas, moi, je savais pas. Bah c'est comme ça que tu comptes. La lenteur en vrai. La lenteur en vrai dans la vraie vie, ça se transmet pas. Oh non! Deux fois de suite, la chouffe. Fais la danse. Allez,
La danse de la chouffe. Allez, faut faire gaffe, la chouffe, c'est une marque, on n'a pas le droit de... C'est vrai, comment ça, c'est une marque. Tiens. Oh, allez. Le bâtard. Je suis désolé, Thierry. Ça ne se fait pas. Je suis désolé, maintenant... Le mec, il a chouffe, c'est-à-dire qu'il a zéro bonus, toi, t'as le gant, et tu le coinces, c'est juste dégueulasse. Je suis désolé, Thierry. Maintenant, il y a des impératifs de victoire. Oh là là, Emmerich qui tente les ruses. Emmerich, c'est pas bien. Ça tente les ruseries. J'étais bête, je me suis coincé tout seul. Ah, et en plus, attends, mais c'est chouffe, je rêve, une... C'est-à-dire que j'ai perdu. C'est-à-dire que la bombe qui est en dessous. Ah, il y a eu chouffade. Ben, c'est la mienne. Ah ouais. C'est mes bonus. Emmerich, on est tous... Oh non. Bien joué. Non, en fait, c'est les encouragements qui tuent direct, en fait. On a toujours pas vu les bombes infinies, hein, la flamme infinie. Non, non, t'es sérieux, Thierry ? Mais c'est con. Oh là là ! Si je t'avais dit, il faut pas le faire. Oh là là ! Ensuite, tu t'exposes à une revanche niveau karma. Niveau karma, il est où ? Une revanche de niveau karma. C'est-à-dire que là, c'est niveau max, non, après non, des ventes d'aventuriers roll. Oh mais non, mais putain, mais pareil, voilà. Mais moi, du coup, tu vois... Me déconcentrer. Bon, vas-y. Moi, je pensais que t'étais au-dessus de ça, Thierry. Ah non, moi, j'aime pas. Non, c'est que la quatrième. Tu joues sans classe, tu meurs sans classe. Non. Oh ouais, d'accord. Ça, non, mais c'est les phrases, tu vois. Ouais, c'est ça, il y a les expressions. Mais il y a eu le temps de le mec a des idiomes, tu vois, tellement, voilà. Ouais, voilà. Tellement il a joué. Oh non, t'as vu l'esquive? Ah, mais du coup, c'est la victoire, ça y est. Wow, encore une victoire de Thierry, mais Thierry, attention, c'est pas comme ça que tu vas gagner le respect des autres participants, non, la faute à une démonstration ou une absence de démonstration, devrais-je dire, il a surtout courroucé Médoc qui pensait l'affronter en premier à Street. Entre trahison et rencontre de haut level, vous allez voir que nos candidats en ont dans le pad. Est-ce que tu peux nous montrer ton... C'est compliqué de montrer un C'est move. Compliqué avec le lag, mais je peux vous montrer des petites techniques comme ça rapidement. En gros, avec le lag, j'ai pas le temps de le faire. C'est tu pousses une bombe dans la flamme et ensuite tu te planques et tu continues. Ah bah non, ça a pas marché. Ah bah oui. Bon, tant pis. Bah alors concernant Bomberman, donc un petit peu déçu de pas avoir vu Thierry faire sa technique de la flamme infinie. J'ai l'impression qu'il nous a un petit peu menti durant toutes ces années. Il faut savoir que Super Bomberman version 93 sur Super Nintendo, c'est pour moi un des meilleurs jeux de tous les temps. J'ai passé, lorsqu'il est sorti, j'ai vraiment passé des étés complets joués à la rédac, papier, dans lesquels je bossais à l'époque. À l'époque, c'était Génération 4. J'imagine que, après arriver à un certain âge, on doit pardonner aux gens qui sont un petit peu ailleurs. Pas forcément avec nous, pas forcément. Donc on l'excuse, voilà. Bon alors on a pas vu malheureusement la fameuse flamme infinie de Thierry pour des questions techniques, mais j'ai quand même appris quelque chose, c'est que dans Bomberman sur Super NES, le plus grand danger c'est soi-même. Je suis un peu déçu parce que Thierry qui visiblement est très fort à Bomberman, là était un peu handicapé apparemment par des problèmes de mauvaise foi, en fait. Hein. Mais donc là, vous avez vraiment eu pas les bonnes sensations, en fait, avec Bomberman. Normalement, tu sens beaucoup plus le jeu. Là, il y avait carrément un délai. Ouais, malheureusement. Ouais, ça sentait, il y avait carrément un délai. Bon, et t'as aussi le souci, c'est la Super Nintendo, la console, elle est super solide, mais les manettes, elles finissent par se fatiguer. Donc il y a certains boutons qui répondent moins bien. Ouais. Et par exemple, pour l'allumage infini, il faut vraiment que le quart de cercle, il faut que ça se fasse très vite. Et de temps en temps, sur une des manettes, par exemple, j'avais vu que ton personnage, de temps en temps, il bloquait sa course. Et là, ça change tout. Bon, c'est très stressant parce que je pense que du coup, la partie était pas super intéressante et j'ai pas pu vraiment montrer certaines des techniques cool du jeu. Là, avec le léger lag, ça changeait complètement la perception, le mouvement des personnages, etc. Stratégiquement, je comprends pas non plus. Et après, je pensais enchaîner en deux temps de sélection. Je sais. Je suis bien d'accord. Alors moi, j'ai pas compris le choix de Thierry. Donc il a choisi de jouer contre Emmerich au début. Alors qu'il savait très bien que Emmerich et Moguri étaient les plus forts à Street 4. Donc la logique aurait voulu qu'il me choisisse moi pour jouer contre lui son premier match. Or, il m'a pas choisi. Donc moi, je vis ça un petit peu comme une trahison. Moi, faut savoir que moi, quand je fais confiance... moi, je donne tout. Moi, quand je fais confiance une fois, je fais confiance. Faut pas me trahir.
Maintenant, donc on arrive gentiment vers le match de Street Fighter 4. Et là, il va pas falloir que je me chie dessus parce que c'est important. Il faut que je gagne des points là. Là, il me faut des points. Donc j'espère les prendre à ce moment-là. Donc on est sur la section du niveau. Est-ce que ça a une importance ? Absolument. En plus, si ce niveau-là, t'avais des joueurs japonais à un moment donné qui faisaient exprès de le prendre. Parce qu'en fait, il est, je crois que Goki dans une certaine couleur. Enfin non, mais c'est des conneries. Non, mais il me semble qu'il y a des niveaux chelous. Ou si tu veux, tu peux, selon la couleur de ton perso et tout, ça peut juste vite fait parfois être un peu déstabilisé. Donc après, tu peux t'amuser à dire que c'est fait exprès, mais généralement. Là, on est clairement sa zone, hein, clairement. Ouais. Sans t'as essayé de faire le truc, tiens. Non, mais c'est. J'espère qu'on te filme aussi. J'espère qu'on filme, t'es mal. C'est autorisé les coups dans le beat comme ça? Enfin, c'est limite sous le beat, quoi. Un attouchement, quoi. Ah oui, non, mais là, ouais, c'est autorisé dans ce truc. Qu'est-ce qu'il essaye de faire, là? Emric, il est clairement dans un mood genre, je vais montrer des belles choses. Ouais. Mais tu vois, c'est presque présomptueux, quoi. C'est presque un manque de respect. C'est un manque de respect. Ouais. Pourquoi presque? Okay. C'est un manque de respect. Ouh! Bon, non, fallait pas faire. Ah, c'était. Je l'avais touché. Je l'ai touché, là. C'était ça, enfin c'était le coup que tu essayais de me faire depuis tout à l'heure. Un coup de pied, essayer de te faire un coup de pied. C'est ça que ça dépend du jeu. Cherche le bouton du coup de pied. Voilà. Cherche le bouton du coup de pied. Alors est-ce que le niveau. Alors je vais te dire. Ah, c'est un niveau qui est clairement à ton avantage. C'est vrai? Ouais. Ok, cool. Yes! Yes! Oh ouais, mais ce qu'il y a, c'est que toi, t'es dans les shops, quoi. Ah mais voilà, toi. Ah merde, non, je suis désolé. Ah, je suis désolé, c'est vrai que ça se fait pas. Stratégiquement, je crois que j'ai fait une erreur. Je suis contre toi dès le début. Bah, c'est ce qu'il t'a dit. Non, mais ensuite c'était privé d'une belle finale. C'est une stratégie, c'est une ouais, stratégie. C'est une... Clairement. J'ai vu qu'il avait un petit niveau de jeu quand il t'a affronté pendant une demi-seconde. Ouais. C'est le truc, c'est que je l'ai pas laissé développer son game plan. Bah, c'est ça. C'est voilà. Ça. Là, il est à la classe. Il est à la classe. Regarde cette combinaison. Avec ses cuisses. Ah bah oui, de légende. Les cuisses légendaires. Les ah non, alors non, c'est avec les points. Laisse-le. Voilà. Mais vous pouvez faire un combat où toi tu fais l'électricité à infini. Ah ouais, c'est pas con ça. Et on voit qui gagne entre l'électricité et un pied, quoi. En règle générale, dans la vie. Ah non. Voilà, je peux pas les faire. Oh, derrière ça. Non. Oh là là, c'est dégueulasse! Putain. Non, ok, donc ce sera la réponse de notre expert. Attach! Attach! Super attach! Ouh, putain! Au moins, des belles informations. Ouh! Je crois qu'il va se rejoindre avec les idées. Ouais, il fait toujours le même coup! Il fait toujours le même coup! Attends, attention! Ouh, celle-ci elle est pour moi! Oh yes! Oh, coup de pied! Coup de pied! Ah non, c'est quoi ça? C'est écrit le nom de ses attaques. C'est quoi ça? Protège-toi! Ah, je me suis pas protégé, putain. T'as utilisé ton attaque finale à la fin. À la toute fin, comme dans les mangas. Comme dans les mangas. Comme dans un shonen. C'est pourri. Donc ben voilà ce que ça fait de pas me choisir. Thierry aurait pu avoir une chance. En jouant contre moi, parce qu'il y avait la surprise, tu vois. Moi là, je l'ai vu jouer contre Emric. Et du coup, automatiquement, je me suis dit, ok, d'accord, donc a priori, ça va être facile. Alors que s'il avait pris son blanc, s'il m'avait choisi en tout premier, il avait pris son blanc, il aurait peut-être sur un malentendu, toi. Peut-être sur un malentendu, il aurait pu gagner. Il y avait de l'acrobatie, il y avait de l'électricité dans l'air. C'était le cirque du soleil. C'est ça. Franchement, je sais pas qui va gagner. Donc c'est en deux matchs gagnants. C'est en deux, ouais. Là, c'est le vrai suspense. Sachant que t'as fait la critique, tu pars avantagé. Sachant crampe chez toi. Non, mais c'est vrai que t'as des griffes. Ouais, j'ai pas d'armes, ni magie. Attends, mais c'est la plus vieille blague de Street Fighter, ça. Non. Si. Non, parce que... Avec celle de... Non. Ouais, mais lui, il fait des boules d'énergie. Balrog, il était pas là depuis.
Oh. Oh non, la chope. Oh non. Ouh là là. Ah mais oui. Putain, et tu sais quand t'as écrasé son verre, c'est un signe prémonitoire, je pense. Hein. Ça change quelque chose. Ça veut dire qu'il va se faire marcher dessus. Hein. Ouais. Oh, roulade. Oh là là, ça c'est les arnaques que je devrais jamais me prendre. Tu te fais enchaîner, mais comme... Oh là là là. Non. Non, tu peux plus lire là-dessus. Manifestement. Mais non. Mais non. Oh, oh les griffes. La mort. Ah. Je crée le nom de mes attaques. Ouais. Hein. Ça va pas. Oh, roulade. Roulade avant. Oh non, 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 non. Oh. Ouh. Mais non. Allez, là, le beau finish. Le beau finish. Le beau finish. Ah, déception. Le beau finish, tu le prends, tu l'emmènes à la maison, tu le gardes. Tu le gardes, voilà. On te le met dans un doggy bag si allez. Tu en avais trop pour toi. Allez, ah. Allez. Allez, voilà. Allez, bien joué. Voilà. Ouais, bah, Kevin, il a marché dessus, mais parce que Kevin, il est fort. Il joue online et tout à Street 4. Ces derniers temps, il était pas au top de sa forme. Il avait le moral un peu dans les chaussettes. Donc, on a fait en sorte en fait qu'il puisse gagner. Donc, on a tous joué un petit peu en dessous de notre niveau de jeu. Et comme vous avez pu constater, ça lui a fait très plaisir. Ça s'est plutôt bien passé. J'étais pas sûr d'arriver à battre Emmerich sur Street Fighter 4. Et en fait, je l'ai éclaté. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Alors, effectivement, je viens de perdre à Street Fighter. C'est une immense déception. Mais j'ai une excuse, j'étais pas sur mon stick habituel. En fait, mon stick habituel, il est là. Et il ne fonctionne plus parce qu'il se pourrait que malencontreusement, ce stick soit tombé après certaines défaites sur Internet et qu'il ne réponde plus aujourd'hui. Voilà, donc c'était mon excuse pour Street Fighter, mais j'aurais gagné aussi. Le mec ne concède pas un seul round, quoi. Te rends-tu bien compte? Comme on me rappelle, on me rafraîchit la mémoire, donc le jeu avait été choisi par... Emmerich. Si, c'est pas qui. Il a été choisi à l'unanimité. Par Emmerich. À l'unanimité, putain, par Emmerich. Tu t'es fait avoir, en fait. Il y a une influence. Un jeu, on a une influence. Okay. Ah, les 4 points. C'est-à-dire que tu as choisi... choisi un autre jeu, quoi. Ah. Ah, les 4 points. Je commence à supposer des petits problèmes, une petite gestion obscure avec la prod. Puisque Moguri, en fait, a quand même réfléchi à pas mal de choses pour cette émission, l'a préparé pas mal, et je pense qu'il y a eu des petits backchiches pour imposer certains de ses jeux. Samurai Gun, il en a fait la critique. Street, évidemment, c'est un spécialiste, et il s'est entraîné pendant 2 semaines là pour pouvoir préparer ce duel. Enfin, bref, c'est une espèce de suspicion rôde autour de cette émission. Attends, ça veut dire que moi, j'ai combien de points? J'en ai 0? T'en as 4. Ah non, sur ce truc-là, t'en as 0. Non, ouais, sur celui-là, j'ai 0. Toi, t'as 1? Bah oui. Et moi, j'ai quoi? Deux. Non, mais sur cette partie-là. Ah non, c'est pas 4 points, pardon, c'est 3 points. Donc on est à 3 à chacun. Parce que c'est 0, 1, 2, 3 là qu'on fait. Donc okay, t'as eu 3 points là. Là j'ai eu 0 sur celle-là et toi t'as eu 1 point sur celle-là. C'est simple, là pour l'instant, on est tous à une parfaite égalité. Ouh, cool. D'accord. Mais attends, sérieusement? Je sais pas, moi j'ai 3 points. Bah moi aussi. Thierry aussi. Toi aussi. Et Thierry, bah ouais, Thierry aussi. Et Emmerich, t'as combien de points? 3? Combien j'ai de points là du coup? Bah 3. Là, effectivement, là, on se retrouve tous à égalité. Donc, c'est une configuration qu'on n'avait pas forcément prévue, mais qui est intéressante, du coup, parce que ça rajoute un petit peu de suspense à l'ensemble. Maintenant, faut savoir qu'avec les jeux qui arrivent, ça va se décanter. Vous vous inquiétez pas. À l'issue de cette deuxième journée d'affrontement, nos candidats sont tous à égalité parfaite. 3 points partout! C'est hallucinant! 3 points partout! Le clan des Cool Kids pépérise alors que les Wildcats fulminent. Il reste encore 4 épreuves, dont 2 octroyant des points. La journée de demain sera donc décisive! Ne nous loupez pas! Qui des jaunes ou des rouges bondira son pad le premier? Vous le saurez dès demain en regardant The Game, l'expérience! Et comme il est de coutume dorénavant, on se quitte avec nos amis présents dans le Gaming Complex. Hey, cadreur, on boit un coup ensemble? Ton nom c'est quoi? C'est cadreur? Cadreur? On a une parfaite égalité, c'est ouf!
Ça va faire un super programme, les gars. On est tous aussi forts aux jeux vidéo. Pour l'instant. Les uns que les autres. Et là, la pour suite du programme, du coup, je sais pas si c'est le prochain.